Yes, salut guys, c'est mon nom JP, bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, je vous présente un petit bike que je vous ai jamais montré. Ça se trouve être le bike à ma blonde. C'est un petit Evil Calling. C'est un bike qui se fait plus dans la gamme de Evil. C'est donc un 27.5, un des plus petits bikes de leur gamme. Ça fait que le Calling, c'est un bike qui a été fait pendant quelques années. Il décrivait comme étant un skateboard de taille adulte. Pour vrai, ce bike-là, c'est le bike le plus fun que j'ai roulé de ma vie. Ce bike-là, en gros, ça fait des années que je m'en cherche un à ma grandeur. C'est un bike que j'ai toujours voulu avoir, j'ai toujours entendu qu'il était super playful. Ça fait des années que je cherche, puis j'en trouve un, finalement, un small. Et puis, tu sais, check-moi la grandeur, fait que ça, il me fait pas. Ça fait que je l'ai acheté, puis il a fini par aller à ma blonde. Fait que ma blonde, elle a un super beau Evil Calling qui vient remplacer son petit Norco qu'elle avait avant. Ça fait que pour elle, ce bike-là, le deal que j'ai trouvé, c'est incroyable. Le bike est monté comme full XO1, peut-être pédalier GX, mais on s'en fout. Côte RSC partout, la pack en avant, le super deluxe en arrière, dropper post one-up. Pour vrai, pour le prix que j'ai payé ce bike-là, c'est juste insane la qualité qu'on a. Puis, vu que c'est comme moi le mécano de la maison, c'est moi qui l'entretiens, fait que j'embarque un petit peu dessus à l'occasion pour m'assurer que tout est beau. Puis, pour vrai, c'est le bike le plus fun que j'ai roulé de ma vie, c'est juste insane. Et puis, je suis un petit peu jaloux pour vrai. Je m'avais acheté un petit following ce printemps pour faire de la trail, j'embarquais dessus, puis hein, ouais, ça va. Puis quand j'embarque sur le bike à ma blonde, juste pour aller faire le tune-up, s'assurer que tout est beau, bêler les breaks, je suis comme ça fait que c'est ça, je suis un petit peu jaloux de son bike. Mais c'est ça, je voulais juste vous le montrer aujourd'hui, je voulais juste vous montrer ce beau petit vélo-là. Salut là! Oh, that's fun. Hot noise. Drop. Oh, ça. Et que j'aime les North Shore. Oh, il y a une transition vers le petit en plus. Transition vers le petit. What? Ça de même. Oh, oh, oh. First shot. Et le plus dur à mon avis, le skinny de 4 pouces. Oh oui. Non! Fail! Hey, c'est le premier que j'ai pas first shot. Oh là! Facile sur un bac qui est même pas le mien. Pour vrai, dans le temps des enfants, c'était moi le meilleur sur les skinny. Wow! Fait qu'aujourd'hui, je vous pose une question, c'est très simple. Est-ce que les 27.5 ont encore leur place dans les trails en 2023? Écoutez, selon l'industrie, non. Le 27.5 est mort. Difficile d'en trouver. À mon avis, est-ce que ça vaut la peine ou pas? Je vous le dirai à la fin du vidéo. Oh, oh my God! Prenez en considération que le bike n'est pas ma grandeur, s'il vous plaît. Non, mais le fun! Oh, qu'elle est dure, elle est tapée, elle est glissante! Oh my God, c'est donc belle fun! Merci à May, qui ne sait pas que j'ai pris son bike. Oh, j'ai manqué un double! Un table, c'est-à-dire. Frère! Maudit que c'est le fun, ce petit bike-là! Comme de rien! Ah. Hey, je suis plus capable de clairer ça qu'avec mon gros bec! Yep. Ah.
j'ai tout clairé. Venez me dire que les 29 jump autant que les 27. Ce n'est pas vrai. Là, j'ai perdu de la vitesse. Je claire la Jedi Empire 47 mieux avec le petit 2700 à ma blonde en small qu'avec mon gros 29 à, je dirais pas le prix. Ça n'a aucun sens. Hey, Freeride Québec dans les zones d'apprentissage Empire 47. Hey, vous savez, gang, que ces petites zones d'apprentissage-là, là, c'est pour tout le monde. Là. On a un petit Rock Garden ici. C'est ça. J'ai juste demandé à un coach si c'était correct que je roule un petit peu au travers des enfants si je faisais pas le fou. Il dit non, non, il dit c'est pour tout le monde. Fait que c'est ça, c'est évidemment vous avez un e-bike à 18 000$, il n'est pas tracé ici. Puis, oh, petit lien optionnel. Si vous voulez faire des temps de travaux, c'est pas la place. Mais pour ceux qui veulent apprendre, ceux qui veulent s'amuser, la petite zone-là est super le fun pour vrai. On construit de quoi de vraiment cool. Pour les petits mooks qui ont des petites passes de saison avec des petits renards dessus, puis je suis jaloux. Ça. Et on arrive à une autre petite zone d'habileté. On a une bascule, je crois, poc. Non, c'est un saut. Plus vite. Ça, c'est une bascule. Petite zone de drop. Poc. On peut faire la bascule à l'envers. On peut embarquer sur les sauts. Et le plus dur, caché au fond là-bas, là, j'ai une main qui glisse un peu, on sait pas se péter la gueule. Je suis pas commandité, puis c'est pas du placement de produit, mais les petits gants demi-doigts, comme ça ici, un soupa. Regardez, ça va être à l'envers, là. Soupa case. Ils sont vraiment pas chers. Juste pour acheter un petit peu de grip dans les mains. Et je suis capable de faire ça. Oh! Et voilà. Merci à mes années de street à Québec. Bon, allez, on retourne dans les trails. Il reste à voir quelqu'un, je vais faire attention. Hop. On est un petit peu mouillé. Oh. Ah, je me suis presque frotté quelque chose. Ça fait 2 ans que je rêve de faire cette piste-là avec cette bike-là. Merci à May. Malgré qu'elle n'a pas donné son consentement, mais bon. Au final, le bike, c'est moi qui l'ai payé. Fait. Oh, que ça le fout! Oh, pas de stress, pas de stress. Je suis seul. Merci. Pour vrai, là, on dirait que je roule la piste avec mon petit 24 en 24 pouces. Là, c'est sûr, le bike qui est ultra court, puis j'ai pas de. Tu sais, j'ai pas de centre là-dessus. Je suis trop en avant, soit trop en arrière. Oh! C'est un peu plus épeurant. Mais là, c'est pas parce que c'est un 27, c'est vraiment parce que le bike est pas à ma taille. Oh, wow! Pour vrai, là, je mettrais un guiton DT High Rise 80 mm là-dessus. Ça serait insane. Aïe, aïe. J'ai l'impression de faire une float trail en BMX. C'est sûr, vous me voyez pas en arrière whipper là. Non, je sais pas. Ça! Hey, on dirait que je roule un BMX à suspension. Ah! Oh! Je partais un peu de côté, celui-là.
Oh my God! Il y a une raison pourquoi je fais Freeride Québec. C'est parce que j'ai du fun, mais pour vrai, là. C'est épais comme concept, mais maudit que j'ai du plaisir. Fait que tu sais, les filles qui sont encore en 27, qui sont peut-être pas à la grandeur d'avoir un 29, que vous ne faisiez pas assez, que vous n'ayez pas le budget, peu importe. Vous pouvez tout faire sur un 27, là. Tu sais, je roule la chamane sur un petit 27.5 qui est trois grandeurs trop petit pour moi. Puis tu sais, ça va ultra bien. Oh my God! Hop! Puis tu sais, j'ai fait cette piste-là en début d'année en 29 et mon premier réflexe, c'était « Hey, je vais en faire super vite! » Wop! Puis j'aime pas ce réflexe-là, j'essaie de le briser. Avec cette bike-là, mon réflexe, c'est d'essayer de monter partout où est-ce que je peux. Faire des petits jibs, pas grave s'ils sont pas gros. Oh! Oups, je suis allé bottomer, je m'excuse ma belle. Ah là, j'ai plus de cardio, excusez. Oh, la veine est un petit peu mouillée. Elle est un peu mouillée. Oh, c'est pas super. Alors, est-ce que les 27.5 ont leur place dans les trails en 2023? Évidemment qu'ils ont leur place, c'est des super bons bikes, ils sont le fun, ils sont rapides, ils accélèrent, perdent leur vitesse plus vite, mais c'est pas grave, c'est des foutus bons bikes. Si vous avez un 27.5, vous demandez si vous devriez upgrader pour un 29, ça va être trop gros, votre bike est bien correct. Sur ce, très bonne journée. Et on se voit le prochain épisode de Freeride Québec. La maison. Avec mon chat là. Crunchy, calice.